Coucou. Alors aujourd'hui, on se retrouve, j'allais dire pour un plan de tour, oui et non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière, j'en profite pour aller me faire un café. Dans ma dernière vidéo où je vous parlais un petit peu de l'évolution de mon rapport aux plantes, je vous disais que j'avais envie de faire un petit peu de tri et donc je vous proposais prochainement de vous faire une vidéo où je faisais un peu le tour de mes plantes et je décidais si j'étais sûre de les garder, si j'étais sûre de ne pas vouloir les garder, ou si je ne savais pas. Et donc c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire le tour de toutes les plantes. Alors du coup, je vais passer moins de temps à présenter la plante à chaque fois que je le ferai dans un plan de tour classique, hein. Là, ça va plus être pour voir, voilà, est-ce que je garde la plante ou pas. Il faut que je pense à me faire mon café. Et donc, j'ai pas l'habitude de faire les choses à une main. Alors très honnêtement, je pense que vous allez être un petit peu déçus parce qu'à mon avis, il n'y a pas tant que ça de plantes où je vais me dire c'est sûr que je les enlève. Donc voilà, ne vous attendez pas à un tri trop drastique non plus. Et puis ça fait un petit moment là, quelques jours, que je ne me suis pas occupée de mes plantes. Et donc j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, qui avaient quelques petits trucs qui n'allaient pas, des feuilles jaunes, certaines qui avaient très soif. Donc je vais en profiter aussi pour mettre de côté celles dont je dois m'occuper. Et donc contrairement à mon précédent plan de tour, je pense qu'on va avoir un petit peu plus de plantes qui ne vont pas. Pas très bien, parce qu'en général, quand je fais un petit peu un tour de mes plantes, j'ai déjà fait avant quand même, genre la veille, l'avant-veille, un petit tour pour enlever les feuilles jaunes, faire l'arrosage, etc. Ça fait vraiment plusieurs jours que je procrastine, et aussi que je fais exprès de repousser un petit peu parce que je voulais vous montrer un peu l'état réel des plantes en ce moment, quoi. Je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Un plan de tour pour m'aider peut-être à faire du tri. Et donc je vais faire le tour des plantes et pour chaque plante, je vais essayer de voir si je suis sûre de vouloir la garder, si je suis sûre de vouloir m'en débarrasser ou si je ne sais pas. En tout cas, bon voilà, c'est déjà une première étape. Alors, je pense qu'on va commencer par le salon, mais très honnêtement, dans le salon, il n'y en a pas beaucoup dont je vais vouloir me débarrasser parce que dans le salon, j'ai mis toutes mes préférées. Donc voilà, il y a peu de chance qu'il y en ait vraiment que je veuille enlever, quoi. Alors aujourd'hui, ça fait plaisir, il y a un peu de soleil. Donc du coup, on va commencer, je pense, ici. Ce qui est sûr, c'est que cette Tradescantia-là, je la garde, aucun doute là-dessus. La Maranta qui est ici, elle va très mal. Alors je l'avais mise là et j'avais l'impression que ça lui faisait du bien. Et puis là, en fait, je crois très honnêtement qu'elle a très très soif. Je crois que j'ai complètement oublié de l'arroser. Regardez-moi cette catastrophe. Donc là, voilà, j'ai vraiment, là, c'est un oubli d'arrosage. Pour le coup, si je vérifie, ouais, c'est extrêmement sec, alors que les Marantas, je ne laisse pas sécher aussi longtemps que ça. Donc voilà, c'est un oubli. Je vais couper ce qui ne va pas et arroser. Celle-là, je la classe dans la catégorie je ne sais pas. Je ne sais pas si je la garde ou pas, parce que j'ai vraiment du mal avec les Marantas en ce moment. Mais normal, enfin, c'est une de mes plantes préférées, la Maranta Lemon Lime. Je pense qu'elle refera en tout cas partie de ma collection à un moment. Mais je ne suis pas sûre de garder celle-là. Ensuite, cette petite Sthenan tamagri, je l'adore, je la trouve adorable, donc je la garde. Ça, par contre, je ne sais pas. C'est une Sansevieria. Alors après, elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc c'est pas celle qui me prend le plus de temps, quoi. Cette petite Calathea, pour le moment, je garde. Vraiment, en fait, ces deux petites là, je trouve qu'elles sont très bien ici, elles s'y plaisent depuis longtemps. Elles sont parfaites à cet endroit-là, donc voilà. Alors ça, c'est une petite bouture de pothos néon que j'ai fait d'ailleurs en vidéo. Je vais sûrement la donner de toute façon, hein. J'ai pas volonté à la garder plus que ça. Celle-là, évidemment, je garde. C'est une de mes préférées en ce moment. Voilà, elle a énormément poussé. Je crois que c'est la Calisia elegans. Bon, je l'adore, donc la question se pose même pas. Alors ce petit cactus-là, bon, je le garde. Voilà, il est adorable. Et puis ce chlorophytum, très honnêtement, je m'en fiche. Enfin, il est plus là en objet déco. J'y pense jamais. Je l'arrose vraiment quand ça me vient. Donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Mais il me dérange pas plus que ça, quoi. Alors on va passer par là. Ces deux-là, c'est des boutures. Voilà, je vais sûrement les donner un jour, mais je ne sais pas quand. Elles sont très loin, là. Je les ai mis très loin de la fenêtre. La fenêtre est tout là-bas. Donc c'est pas idéal pour des boutures. Mais comme je trouvais ça joli. Ensuite ici, le Global Green, je garde. C'est une plante simple, pas très exigeante, qui a bien poussé. Cette bouture de lemon lime, c'est pareil, j'ai vocation, enfin de philodendron lemon lime à la donner. Je pense que ça a soif aussi, je pense que celle-ci a soif. Et cette petite bouture de Marble Queen doit avoir soif aussi. Hop, hop là. Donc ces deux-là ont très soif. Et ici, lui, forcément, il commence à souffrir vraiment de la sécheresse. Donc
Ah ouais, en plus, regardez ça. Il s'est complètement dépoté. Enfin, les racines sont à moitié à l'extérieur. Faut que je m'en occupe aujourd'hui, hein, le pauvre, tu m'étonnes. Pauvre petit bichon, franchement. Alors, celle-ci, là, je garde. Mon Oya Crimson Queen ou Crimson Princess. J'ai encore oublié la différence entre les deux. Mais je garde, je l'aime beaucoup. Bon, bah, celle-ci, je la garde évidemment. Hein, ma Seropeja String of Spade de Variegata. Je sais pas si elle va bien ou pas. Je sais pas si elle va tenir très longtemps. Parce que j'ai un peu de mal en ce moment avec les Seropeja. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai achetée récemment. Je la trouve toujours aussi belle. Et à côté, pareil, une de mes préférées. Le Syndapsus Sebublou. Qui est devenu hyper long. Donc aucun doute sur celle-ci. Je garde, je garde. Je garde évidemment mon immense Painted Lady. Je pense que c'est sans surprise. Le Pothos Enjoy, je garde évidemment. Ah tiens, petite feuille jaune ici. Et ces deux Oya là, je les garde évidemment. La Oya Mathilde, une de mes Oya préférées. Et puis la Oya Croniana Super Silver, je crois. Lui, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous dise que je le garde? Je pense pas. Hein. Donc voilà, donc là... Tout un petit coin, c'est sûr que je garde. Le Manjula, oh, qui a l'air d'avoir soif, le Manjula. Hop. On va le mettre de côté pour l'arroser. Oh là là, je suis en train de voir des trucs qui me plaisent pas trop. Alors là, je crois qu'il y a eu un petit oubli d'arrosage aussi. Je l'ai pas arrosé depuis un moment. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai rempoté, enfin j'ai rempoté des boutures dedans en vidéo il y a pas longtemps. Et donc c'était vraiment pas le moment de faire un oubli d'arrosage en plus parce que c'est des boutures qui avaient l'habitude d'être en eau. Donc faut vraiment que je l'arrose, là c'est urgent. Énormément de feuilles qui ont jauni et c'est pas normal. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait une feuille qui jaunisse, hein. Mais là pas autant quoi. Donc... Et de toute façon on voit qu'il a soif, hein. Les feuilles sont toutes floppy là. Ce qui est assez rigolo, enfin rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais je fais encore plus d'oubli d'arrosage en hiver parce que comme je me mets en tête que les plantes n'ont pas besoin d'être arrosées, et ben je les arrose plus du tout, enfin bref. Mais le Manjula... Évidemment, je le garde. Mon Sedum Burrito, qui est une de mes plantes préférées aussi. Hein. Alors, vous êtes vraiment à contre-jour, là. Mais évidemment, je le garde. Enfin, il est incroyable. Et le cactus juste en dessous, je le garde aussi. Je l'adore. Et puis, en plus, c'est pas des plantes qui ont besoin d'énormément d'entretien. Ici, il y a... Alors, lui, je garde. Hein. Le Syngonium Frosted Heart, je l'adore. Le Panda, c'est mon Syngonium préféré. Donc, aucun doute, je le garde. Alors, là, il y a plein de feuilles. Pourquoi elles se déroulent pas? Est-ce que c'est simplement parce qu'il en fait trop en même temps? Cette feuille là, elle est magnifique. Il y a un chat ici. La Monstera variegata, je la garde. Pareil, je crois qu'elle a très soif. Je vais la mettre de côté aussi. Hop. Ça, c'est la bouture de Monstera variegata. Et ça, je ne sais pas. J'ai pas forcément vocation à la garder. D'ailleurs, je pense qu'elle a soif aussi. Mais je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça fait longtemps qu'elle a pas sorti une nouvelle feuille. Mon Florida Ghost, pour le moment, je garde, même s'il est plus très ghost. C'est une plante que j'adore. La forme des feuilles, je l'adore. J'ai l'impression que le marcottage ici, bon, bah, il se passe pas grand-chose. Ça racine pas énormément. Ça racine un petit peu, mais voilà. Je prends pas le temps d'humidifier assez souvent la sphaigne, donc ça sèche trop vite. Donc forcément, voilà, c'est ma faute. Hein. Il fait encore des jolies feuilles. Par contre, il est tout en jambes. Hein. Regardez-moi ça. C'est ridicule. Alors, il a deux pieds. Hein. Et donc, il a un pied qui est justement tout en jambes, comme ça, qui est un peu ridicule. On dirait une montagne russe. Bon, Salem, sors de là. Regarde, t'as un espace, là, pour une fois. T'as un espace exprès. Alors, pourquoi tu vas... Donc, le Florida Ghost, je garde. Le Ficus Chivériana, ici, je garde. En plus, il a recommencé à me faire des feuilles panachées, comme ça, alors qu'il avait un peu arrêté. Celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas si je garde ou pas. D'ailleurs, je vais prendre... C'est le philodendron Lupinum. Je l'aimais beaucoup quand je l'ai reçu. J'adore ces petites feuilles en cœur comme ça. Mais si je devais vraiment faire un tri, en plus il pousse à une lenteur incroyable. Pour le moment, c'est dans la catégorie je ne sais pas. Ensuite, mes deux Oya, je garde sans aucun doute. La Oya Obovata qui était en train de... Hop, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Deux nouvelles feuilles qui arrivent jusqu'ici. Donc je suis trop contente. Elle prend bien le soleil. Elle aime bien ça. Donc je la garde, aucun doute là-dessus. Et Oya Keri, je garde, aucun doute là-dessus. De toute façon, je pense qu'il y a... Enfin, à mon avis, il n'y a pas de Oya dont je vais me débarrasser. Hein. Juste au-dessus, mon Snow Queen, qui je pense a soif aussi. Hein. Je le trouve un peu... Mais je le garde, hein, sans aucun doute. Celle-ci, c'est vraiment une de mes Oya préférées. Je l'aime de plus en plus. La Oya... Euskeliana, évidemment je la garde, et puis ça c'est un philodendron El Chocored.
Bah, qui est une de mes plantes préférées. Regardez-moi ces reflets là. Non mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Regarde, on voit ma main comme ça. Mais c'est... Non mais c'est ouf. Je suis désolée, je m'extasie. Bon bah je le garde, il n'y a aucun doute là-dessus. Et mon Bilitae, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais pour le moment je garde. Et puis ma Hoya Australis Lila, pareil, je l'adore. C'est une de mes plantes préférées. Donc hors de question que je m'en débarrasse. Mon Glorious, bah vous savez aussi que c'est une de mes plantes préférées en ce moment. Regardez-moi sa dernière feuille. Enfin voilà, c'est incroyable. Ah, ce soleil. Franchement, non mais. Bref, et puis, c'est une de mes plantes, enfin c'est ma plante la plus grande, je pense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais il commence donc ici, là. Et il va maintenant, il va quasiment jusqu'au plafond. Le Burlmarx variegata, pour le moment, je garde. Cette feuille est incroyable. Même si j'attends de voir comment il évolue, parce que il a quelques feuilles qui s'abîment un peu. Je vais le mettre de côté, parce que je vérifierai bien ses racines à lui. Et il faudrait que je regarde aussi s'il n'a pas des nuisibles. Vous voyez, il y a des feuilles qui font ça, là. Je ne vois rien. Mais en tout cas, voilà, il a une partie qui est vraiment toute verte. Et il a quelques feuilles avec de jolies variegations. Mais il pousse assez lentement en ce moment. Donc... Pour le moment, je garde, mais il pourrait être sur la sélecte, honnêtement. J'en connais un qui est en train de bouder. Ensuite, alors, ici, on a le philodendron Lidami. Et alors, celui-là, je ne sais pas. C'est un philodendron que j'ai adoré quand je l'ai reçu. Je vais vous le montrer d'un peu plus loin. Hop. Donc, j'aime beaucoup son port, mais il n'a pas fait une seule feuille depuis qu'il est là. Et surtout, il a deux feuilles qui ont pourri dans la catafile. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'a pas de nuisibles, les racines vont bien. Donc honnêtement, il me gonfle un petit peu. Cette feuille est en train de jaunir, je crois. C'est la première fois que... Jusqu'à maintenant, il n'a perdu aucune de ses trois feuilles. Je crois que celle-là est en... Ouais, vous voyez, on voit la différence. Elle est en train de jaunir. Donc celui-là, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est cher. Donc si je m'en débarrasse, je ne vais pas le donner, quoi. Alors, celle-ci, évidemment, mon Gloriosum Zebra, il est... Absolument hors de question que je m'en débarrasse, hein. Il est incroyable. Et puis le McDowell, il va un peu moins bien que le Gloriosum Zebra, mais c'est pareil, hein. C'est un philodendron que j'adore, donc hors de question que je m'en débarrasse aussi. Celui-là, le SP Columbia, je ne sais pas, il a rien fait pendant longtemps, donc j'étais un peu mitigée. Et puis il a fini par me sortir, on ne voit rien, il a fini par me sortir cette feuille-là, qui est très jolie. Et donc bah, pour le moment, je pense que j'ai envie de le garder, quoi. Par contre, celle qui me gonfle un peu et dont je vais me débarrasser, c'est celle-ci là. C'est mon philodendron Pastazanum qui ne va pas bien et je ne sais pas pourquoi. Mais il va pas bien. Au départ, je croyais qu'il avait soif parce que vous voyez, il est tout retombant comme ça. Et en général, quand il est comme ça, c'est qu'il a soif. Mais je l'ai arrosé et ça ne s'est... Enfin, ça ne... il est toujours comme ça. Et honnêtement, c'est un philodendron qui me fait ni chaud ni froid. Il ressemble à d'autres que j'ai, il ressemble notamment au McDowell. Les feuilles sont toutes fines, ça se sent qu'il va pas bien. Les feuilles sont vraiment hyper fines. Donc ouais, celui-là, c'est sûr que je m'en débarrasse. Donc du coup, je vais le mettre. Pour le moment, je vais le mettre là. Là, c'est là où je vais mettre celle dont je suis sûre de me débarrasser. Alors, je ne vais pas les laisser là, hein, parce que évidemment, il n'y a pas de lumière dans l'entrée. Ensuite, bon, ma taille constellation, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Évidemment, je la garde. Mon Anthurium clarinervium ici, je le garde. Il faudrait que je le rempote, par contre, celui-là, il n'a jamais été rempoté et je pense qu'il en a bien besoin. Ici, au niveau des alocasias, alors, on a la Black Velvet. La Black Velvet, pour l'instant, je la garde. D'ailleurs, je vais les mettre de côté, les alocasias, parce que je crois qu'elles ont soif. La Black Velvet, pour l'instant, je la garde. Il y a une feuille ici qui ne va pas bien. Mais il y a peu de chances que j'arrive à la tenir. Donc, à mon avis, voilà, ça ne va pas durer très 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 longtemps. Celle-ci, l'alocasia Platinium, c'est sûr que je la garde. J'adore cette alocasia. Donc là, elle a soif aussi. Les feuilles, vous voyez, elles se recroquevillent comme ça quand elle a soif. Les feuilles sont moins plates. Ensuite, la Frydeck, évidemment, je la garde. Je crois qu'elle a quelques feuilles qui méritent d'être enlevées. Alors ça, c'est mon alocasia préférée, donc je ne m'en débarrasserai jamais. Cette feuille-là est en train de jaunir et cette feuille-là est en train de jaunir.
voyez, moi, les feuilles, je les enlève assez vite, hein. J'attends pas qu'elles soient toutes jaunes. Je pourrais vous dire qu'il y a des raisons logiques derrière, mais c'est surtout esthétique, très honnêtement. Et puis, cette feuille-là, j'hésite. Je pense que je vais l'enlever aussi, parce que, en fait, elle a pas soif, là. Je l'ai arrosée hier ou avant-hier, je ne sais plus, donc elle a pas soif. Donc, la feuille qui est comme ça, c'est pas parce qu'elle a soif. Je pense que c'est parce que, bah, voilà, elle est en train de mourir, quoi. C'est pas facile à une main. Alors, la Dragon Scale, alors ça, c'est la catastrophe du moment. C'était vraiment ma plus vieille alocasia, une de mes préférées. Et elle va très mal. Et donc, celle-là, je pense que je vais tout couper, de toute façon. Enfin, voilà, je vais essayer de la sauver, mais je vais pas la laisser là où elle est. Et celle-ci, c'est l'alocasia Regal Shield. Et alors, celle-là, on va dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime beaucoup l'alocasia Regal Shield en général, mais celle-ci, c'est pas la plus belle alocasia Regal Shield qui existe. Je pense qu'elle a soif aussi, là. Beaucoup de plantes qui ont soif. La Zebrina, c'est pareil, je ne sais pas. Je vais la mettre là en attendant parce qu'elle a soif, donc voilà. Mais après, les alocasias, c'est aussi parce que l'hiver, elle me gonfle. Et donc l'hiver, j'ai envie de toutes les bazarder. Donc je vais peut-être attendre quand même ce printemps pour ne pas prendre de décision trop hâtive. On a cette petite table-là. Alors, sur cette petite table-là, alors il y a la Glaonema Silver Bay. Pour le moment, je la garde, je l'aime beaucoup. Il y a le Raphidophora tetrasperma. Pour le moment, je garde. Après, j'en ai un autre aussi fait de boutures. Donc, je pense que je vais garder celui-ci et je vais me débarrasser de l'autre. La Hoya Callistophylla, pour le moment, je garde. Et alors, lui, là, il faut que je vous en parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon immense Syngonium albo variegata. Et bah voilà ce qui reste. Alors ce qui reste. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de lianes qui étaient complètement dégarnies. Et du coup, je vais vous montrer, je vais faire un petit tour par la cuisine. En fait, j'ai bouturé toutes les têtes. Vous voyez, en fait, toutes les têtes sont là. Donc une fois que tout aura raciné, ça me refera un joli Syngonium variegata. Moins long, mais beaucoup plus fourni. Mais en attendant, il me reste quasiment rien. Et c'est ça dont je vous parlais, les boutures de Raphidophora tetrasperma. Celle-là, je vais m'en débarrasser. Donc voilà ce qu'il en reste pour le moment. Ça, c'est le seul pied du coup qui n'était pas dégarni, tout simplement parce qu'il était tout petit. Les autres, c'était des lianes immenses. Je vous insérerai peut-être quelques images parce que j'ai filmé, je voulais l'inclure peut-être dans un vlog. Donc je vous insérerai peut-être quelques images. C'était des lianes immenses qui avaient quasiment plus de feuilles. Et en fait, il n'y a que les têtes. Enfin, la tête de chaque liane qui était fournie. Et du coup, bah, en fait, voilà, j'ai simplement bouturé du coup toutes les têtes, quoi. Et là, il a très soif, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas arrosé. On arrive là. Donc ça, c'est mon Gloriosum verdé. Et je viens de voir qu'il avait des taches étranges ici, alors qu'il se portait très bien. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Je ne vois rien. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un quelqu'un peut m'aiguiller. Je vois rien sur les autres feuilles. Mais je crois qu'il a extrêmement besoin d'être empoté parce que, en fait, ici, dans la moitié en dessous, c'est que des billes d'argile. Et en fait, je pense que ça fait un moment qu'il a plus de terreau, en fait, à partir de, à mon avis, depuis cet endroit-là. En dessous, là, c'est que des billes d'argile. Donc, il faudrait que je le rempote. Après, je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai le Gloriosum Zebra qui me plaît énormément. Et je ne sais pas si je vais garder deux Gloriosum, du coup. Mais pour le moment, c'est plus un je ne sais pas. Par contre, voilà, il faut que je m'en occupe. Donc je vais le laisser de côté. Ça, la Monstera Silte Pecana, je l'adore, donc je la garde. Est-ce qu'elle aurait pas soif? Franchement, si. Hein. Elle a un peu soif. Cette Ceropegia-là, je ne sais pas si elle va très bien, honnêtement. J'ai l'impression qu'elle me fait comme la Ceropegia String of Spike que j'ai perdue. Vous voyez, elle a plein de petites feuilles qui tombent, là. Donc je ne sais pas. Faudrait peut-être que je la mette un peu plus... À mon avis, elle a besoin d'un peu plus de lumière. Donc pour le moment, elle, c'est plutôt un je ne sais pas. J'attends de voir, quoi. Lui, bah honnêtement, il n'a pas évolué d'un pouce. Je ne sais pas s'il poussera un jour. Mais bon, il ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, je le garde, quoi. Et puis elle, je la trouve vraiment adorable avec ses petites antennes, là. Alors elle est loin de la lumière, à mon avis. Je ne sais pas si elle pourra rester comme ça très longtemps. Mais bon, je la garde, quoi. Alors à ce niveau-là, je vais toutes les garder. C'est-à-dire que mon... Marble Queen, bon, qui est très vert maintenant, mais mon Marble Queen hyper long, là, je garde. Mon Mican, même s'il va beaucoup moins bien qu'avant, je le garde. Mon Pothos néon, qui est
hyper long parce que là en plus il est enroulé, hein. Je le garde, c'est pareil, hein, c'est un de mes préférés. Et puis ici celui-là, je le garde aussi évidemment, même si pareil, je pense qu'il est un peu loin de la lumière. Et celui-là en fait, faudrait que je vois comment il va parce qu'il fait beaucoup de feuilles jaunes. Je sais pas s'il va, à mon avis, c'est parce qu'il est loin de la lumière. Après, vous voyez, là, il y a une lampe torticolée. Faut que je vois, en tout cas, le Marble Queen. Je vois qu'il a une feuille jaune ici. Je crois que c'est tout. Lui, j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu soif. Ouais. Il est bien sec. Cette Omalomena, là, je la garde, évidemment, parce que je l'aime beaucoup. Par contre, elle a très soif. Je pense qu'elle a très soif parce que, ouais, elle est complètement retombante. Alors normalement cette Omalomena en fait elle est à la place ici du sapin et donc elle se prend beaucoup plus de lumière d'habitude, sauf que là comme il y a le sapin j'ai dû la mettre là et il y a moins de lumière ici, donc peut-être qu'elle va moins bien aussi, je ne sais pas, faudrait voir. Bon, à mon avis quand je vais l'arroser ça va déjà ça va lui faire du bien. Alors tout ce qui est dans la vitrine pour le moment je laisse de côté, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui. Et puis celui-ci je vérifierai bien ses racines. À mon avis, ouais. Je vais vérifier s'il n'y a pas de pourriture de racines. Et puis, bah, je vais enlever toutes les petites feuilles jaunes. Hein. En fait, je l'adore au-dessus du miroir. Mais je pense que, en tout cas, cet hiver, il ne va pas pouvoir rester là. Alors, du coup, j'ai fini de passer en revue les plantes du salon. Alors là, c'est tout ce que je dois arroser. Voilà, dont j'ai besoin de m'occuper un petit peu. Et puis, j'ai mis dans l'entrée. Alors, j'ai mis celle dont soit je voulais me débarrasser, soit j'étais pas sûre. Alors on a l'Amaranta Lemon Lime, parce que vraiment elle est dans un trop sale état, donc je vais peut-être faire une pause avec l'Amaranta. Il y a l'Alocasia Dragon Scale, je vais peut-être pas m'en débarrasser, mais en tout cas je vais la couper à ras et je vais la mettre peut-être en serre. Le Philodendron Linami, ce Gloriosum Verde, bon faut que, voilà, faut que je m'en occupe. Mais il est sur la sélecte aussi. Le Pastazanum, ça c'est sûr. Et le Philodendron, le Lupinum derrière ici. Et puis l'Alocasia zebrina là. Alors, c'est pas toutes celles dont je suis sûre de vouloir me débarrasser. Hein. C'est celles dont je suis sûre de vouloir me débarrasser et celles où je ne sais pas. Mais je les mets là en attendant, simplement pour me faire une idée. Elles vont pas rester là. Hein. Et là, tout là et tout là, j'ai mis voilà, celles dont je dois m'occuper, celles qui ont besoin d'être arrosées. Et alors après, il y en a d'autres, voilà, ça c'est toutes les petites boutures comme ça, la bouture de Monstera variegata, etc. Je les ai pas comptées dans celles dont je voulais me débarrasser, mais en fait, je sais que je vais les donner à un moment, quoi. C'est simplement que je les garde le temps qu'elles grandissent un peu. Ensuite, dans la cuisine, alors, ce Bégonia tamaya, je garde, c'est sûr. Cette Tradescantia zebrina, je garde, c'est sûr. Après, il y a toutes les petites boutures de Tradescantia que j'ai eues en cadeau, donc évidemment, je garde. Ça, par contre, comme je vous disais, je pense que je ne garde pas. Ici, on n'a que des boutures, donc voilà. Ça, lui, j'en ai ras-le-bol. Hein. Vraiment, j'en ai ras-le-pompon. Donc, soit je vais entièrement le bouturer. Bon, là, il y a des failles qui ne vont pas bien. Donc, lui, soit je le bouture entièrement, soit je le garde pas. Pourtant, j'adore cette plante. Hein. Mais c'est le mien, quoi, qui me. Vraiment, j'en peux plus du mien. Ici, le Pilea involucrata, il va pas très bien. Et c'est la deuxième ou troisième fois que je l'essaye. Et à chaque fois, je le perds chaque hiver. Donc honnêtement, j'en ai un peu ras le pompon. Donc il y a une bouteille de vin derrière, désolée. Non, je ne suis pas alcoolique. Donc je pense que je ne vais pas le garder. Et puis ça, c'est des boutures en pont. Voilà, elles sont en pont. Je vois qu'il y a des feuilles qui ont jauni. Celle-ci, c'est pareil, elle est en pont. Pour l'instant, je les garde. Hein, j'attends de voir comment ça évolue. Et puis ma Colocasia illustris, pareil, elle est en pont aussi. Alors elle, depuis l'hiver et avec les acariens, elle a un peu des hauts et des bas. Pour l'instant, je garde, mais je vois qu'elle pousse quand même. Hein. Mais celle-ci, ça va. Hein. Alors voilà pour la cuisine. Alors il y a mon copain qui est en train de rentrer de son entraînement de, je sais pas si c'était vélo, course à pied, bref. Voilà pour la cuisine. Donc ici il y a celle avec la bouteille de vin vraiment derrière, j'aurais pu faire un effort. Celle que je ne garde pas. Donc voilà, le Raphidophora tetrasperma, les boutures de Raphidophora tetrasperma, le Pilea involucrata et puis ce Synthepsis Moonlight. Je n'en peux plus donc voilà. Ah et j'ai oublié aussi. Ici là, il y a mon Philodendron Lemon Lime, ça je le garde.
Et ici, il y a mon pothos golden que j'ai replacé ici et qui ne va pas très bien. Je vais vous montrer. Vous voyez, il a plein de feuilles jaunes là. Et d'ailleurs, j'ai dû. Enfin, il était très très effilé, donc je l'ai énormément bouturé. Il était très très long. Mais comme il était loin de la lumière pendant longtemps, bah, les feuilles étaient petites et espacées, donc j'ai bouturé. Et j'ai gardé toute la partie plus fournie, mais par contre je vois que depuis que je l'ai placé là, il a vachement de feuilles jaunes. Alors c'est vrai que la fenêtre est en dessous, donc du coup les feuilles d'en haut n'ont pas beaucoup de lumière. Et ensuite on arrive enfin dans la chambre. Alors dans la chambre on a ce Syndapsus pothos exotica que je garde, je l'adore. Ici le José Bueno, alors regardez, il m'a fait une feuille avec une vraie partie blanche, donc je suis quand même plutôt contente. Mais très honnêtement, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Il est très grand, très imposant. Il va devenir de plus en plus imposant. Et en fait, je ne suis pas si fan que ça, quoi. Je vais peut-être pas le garder. Je vais peut-être le vendre. Mais c'est dommage parce qu'il m'a enfin fait une feuille. Bah, comme j'aime bien, quoi. Ici, voilà où a terminé ma pauvre Maranta Fascinator. Voilà, alors celle-là, je crois qu'elle a soif d'ailleurs. Je ne sais pas. En attendant, je vais la poser là. Je suis pas sûre de la garder. Honnêtement, là, les Maranta, j'en ai un peu ras le pompon. Alors, ici, c'est mon bébé Euphorbia lactea white goat. Donc, celui que j'ai eu avant le grand. Et je suis pas sûre de le... Je suis pas sûre de le garder, honnêtement. Je vais peut-être le vendre. Parce que bah, je l'ai en très grand, quoi. Ça, c'est mon Ficus abidjan, que j'aime bien. Que j'aime bien, mais il est pas dans mes préfs, quoi. Donc, du coup, quitte à choisir, je vais peut-être pas le... Je vais peut-être pas le garder. Mais je l'aime bien. Ensuite, lui, il va pas très bien. mais je pense que je vais pas le garder. Parce que je l'ai un peu acheté sur un coup de tête. Parce que je le trouvais mignon. Mais très honnêtement, faut vraiment que je nettoie ça. Hein. Je suis désolée. Alors, le Malay Gold, je le garde. Pour le moment. J'ai failli m'en débarrasser. Et finalement, depuis que je l'ai bien retutoré et tout, je l'aime bien. Ici, on a un Birkin. Alors, le Birkin, je ne sais pas. Je suis partagée. Je l'aime bien. Mais je le néglige énormément. Est-ce qu'il faut vraiment que je garde une plante que je néglige autant? D'ailleurs, je vais le sortir, là, je vais en profiter. Oula! Il y a une feuille, là, qui a pris cher. Ça, je pense que c'est... C'est bizarre, parce que c'est un peu pourri, donc ça ressemble à un excès d'arrosage, alors que vraiment, je ne fais jamais d'excès d'arrosage sur cette plante, tellement je l'oublie, quoi. Lui, là, c'est mon pothos Silver Anne, enfin, mon Syndapsus Silver Anne. Il n'y a aucune plante que je néglige plus qu'elle. Mais vraiment, mais je la néglige à un point, c'est dramatique. Donc forcément, il va très mal. Donc je vais pas le garder. Je vais pas le garder, faut que je le descende de là. Il y a plein de feuilles qui sont abîmées, c'est complètement... Est-ce que si je tire, ça marche? Ça a l'air de fonctionner. Les feuilles du bas, ça a l'air d'aller, donc je vais peut-être le bouturer. Il était très long, hein, mais je l'ai vraiment beaucoup trop négligé. Je vais sûrement bien tailler, bien bouturer, ou alors le donner, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que j'en fasse quelque chose. Ici, on a mon Paludiflorum avec ce scotch n'a pas marché du tout. Avec cette jolie feuille qui a été complètement mutilée à deux reprises. Une fois ici, une fois ici. Alors là, ça c'était moi, et ça, c'était mon copain. Bah, je le garde, hein, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je suis vraiment dégoûtée de ça, quoi. Ce cactus-là, enfin cette euphorbe-là, je crois que c'est une euphorbe, je suis pas sûre. Je la garde, je la garde, je l'aime bien, voilà. Et puis cette monstera-là, pour le moment, je la garde. Elle m'a fait cette dernière feuille qui est sublime, parfaite. Elle avait eu un petit souci, attention quand même au cactus. Hein. Elle avait eu un petit souci ici, mais ça ne s'est pas propagé. Et en fait, je la garde notamment parce que c'est une monstera large forme. Donc en devenant mature, elle pourrait être assez impressionnante, quoi. Cet oxalis ici, il faut que je le mette... Bah, il pousse encore pas mal, quoi. Vous voyez, tout ça, c'est nouveau. Il faudrait que je le mette en dormance, mais... Et les petits trous, là, ont continué. Ça a continué, donc je sais toujours pas d'où ça vient. J'ai toujours pas trouvé de petites limaces ou quoi que ce soit. Et c'est pas le chat, parce que là, elle est en hauteur maintenant. Donc voilà. Et puis cette petite Opuntia. Bah, en fait, le truc, c'est que je l'ai en double. J'en ai une qui est plus grande que ça. Mais bon, on va vraiment... Enfin, c'est vraiment pas ce qui me prend le plus de place et le plus d'effort. Hein. Donc pour l'instant, je vais la garder. Donc du coup, dans la chambre, pour résumer, ce dont je vais peut-être me débarrasser, c'est de mon Silver Anne. Mon Ficus Abidjan et mon Birkin, c'est vraiment pas sûr que je m'en débarrasse, mais c'est du peut-être. Lui, je pense que c'est sûr. Mon Euphorbia lactea white ghost. La Maranta Fascinator, je pense que c'est sûr aussi pour le moment. Et lui, je pense que c'est sûr aussi. Ah, j'avais oublié ces deux petits bébés Pilea dans la cuisine. Pour l'instant, je les garde, mais à mon avis, ça va pas durer. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les plantes.
Et je crois que j'ai rien oublié. La seule chose que j'ai pas fait, c'est la vitrine, la serre qui est derrière moi. Je pense que la vidéo sera assez longue comme ça, donc je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui. Et de toute façon, dans la vitrine, il n'y a pas énormément de plantes dont je voudrais me débarrasser. Soit c'est des petites boutures, des bébés plantes un peu fragiles, soit c'est des plantes que j'aime beaucoup. Et regardez-moi la beauté des feuilles qui sont en train d'arriver sur ces anthuriums. Donc elles sont rouges quand elles sont encore toutes nouvelles, rouge foncé comme ça. Je trouve que c'est mais incroyable. Il y en a une aussi qui est en train de sortir sur le forgetii. C'est magnifique, mais c'est vraiment magnifique. Et vraiment, le mamey, depuis que je lui ai coupé la tête et qu'il est reparti, ces dernières fois, ils sont plutôt jolis. Les taches argentées comme ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Alors, j'avais compté hier justement pour vous dire le nombre de plantes que j'avais. Et j'ai compté 128 plantes. Mais alors 128 plantes en comptant quand même, je pense, au moins une quinzaine de bébés plantes ou de vraiment boutures racinées mises en terre depuis pas très longtemps, quoi. J'ai compté notamment 68 plantes dans le salon, 16 dans la chambre, 20 dans la cuisine et 24 dans la serre, là, que du coup on n'a pas fait aujourd'hui. Après, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai une flemme monumentale de faire toutes les démarches pour donner et vendre des plantes. D'ailleurs, je pense que je vais en donner pas mal que je pourrais vendre. Parce que bah, c'est plus rapide, tout simplement, et que j'ai vraiment pas envie de dépenser trop de temps et d'énergie à ça, quoi. Alors là, ce que je vais faire, en fait, il est 16h, donc honnêtement, en termes de luminosité, ça va pas être fou encore très longtemps, mais je vais faire un peu d'arrosage de toutes les plantes qu'on soif, vérifier les racines de celles qui ont l'air de pas aller très bien, et puis bah, tout remettre en place. Voilà. Je vais peut-être filmer quelques plans, et puis je verrai si je les inclus ou pas selon la durée de la vidéo. J'ai pas beaucoup dormi, donc pareil, j'ai un peu la flemme de m'occuper de tout ça là, mais j'ai dit que je le ferais. Alors honnêtement, c'est assez rare que j'arrose à l'évier, mais je sais pas, là j'avais envie. En général, j'arrose dans mes bacs d'arrosage ou dans la baignoire. Alors lui, ouais, il s'est complètement, les racines sont vraiment en train de sortir du pot. Je rempote par terre à la rage comme Marjorie. Il a carrément plus de terre en fait, lui. Franchement, cette plante, elle est méga résistante parce que ça veut dire qu'elle était dans cet état, c'est-à-dire quasiment plus de terre depuis vraiment hyper longtemps, et en plus j'ai tendance à la sous-arroser, donc elle avait vraiment mais pas de, enfin je l'ai vraiment laissée en sécheresse, quoi, ça veut dire. Bon, j'ai un peu oublié de tourner la conclusion parce que il fait déjà presque nuit et j'étais en train de continuer à faire des tâches plantes, des trucs comme ça. Là vous voyez, j'étais en train d'en rempoter, mais du coup je vais vous tourner quand même voilà la conclusion pendant qu'il fait encore une lumière relativement décente. Du coup bah je vais m'arrêter là. Je sais pas si cette vidéo sera en une partie ou en deux parties, et je sais pas si je referai pas une vidéo tri à un moment. Enfin, je pense que c'est sûr que j'en referai une. Et puis pour vous donner un petit peu, voilà, des updates. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et puis bah, je vous dis à très bientôt.
Bisous!